bien nerveux. Je crois qu'il est en train. Brady, nos cartes sont prêtes. Crawford s'est débrouillé pour introduire nos armes dans le chantier. Il dit qu'un type les gardera pour nous à l'intérieur. Il est fiable ? Tu parles de Crawford ou de ce type ? Des deux. On le saura bientôt. Bon, tout est prêt. Brady, préviens-moi quand tu veux y aller. D'accord ? Allez, on a du pain sur la planche. Je veillerai à ce que mon logiciel soit en marche dès que vous brancherez le cerveau. Maintenant, allez chercher ce Goliath. Encore une journée à bosser pour rien. On a de quoi manger. Pour l'instant, n'oublie pas qu'un accident de travail vient d'arriver. Voilà ta carte. Pas de vague. Comporte-toi comme ces pauvres types obligés de venir tous les jours. On a des nouvelles têtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé à Ash et à Steve English ? Aucune idée, mon pote. On va où on nous dit. J'aime bien d'avoir du boulot. C'est pas ça qui manque ici. Faites gaffe à vous. Les gardes peuvent vous descendre comme ça. Beaucoup de gardes au chantier ? Ils ont l'œil. On a tous des objectifs. J'espère que Crawford savait ce qu'il faisait en falsifiant ses cartes. Je passe le premier. Si l'alarme sonne, ne m'attends pas. Fous le camp. Il faut quand même admettre qu'il a imaginé un bon plan. Le chantier est bien défendu contre l'extérieur, mais tous ses ouvriers sont contrôlés à mort. Ils s'attendront pas à une attaque de l'intérieur. Et quand ils se rendront compte de ce qu'on a fait, la puissance de feu du Goliath devrait nous permettre de ressortir. Heather craint que le cerveau ne fonctionne pas, mais j'ai confiance en elle. Elle nous a jamais déçus. Allez, c'est parti. Papier. Ok. H, voyons voir. Ok, ouais. T'es au poste 2. À l'âge. J'espère que t'es en forme. Vas-y! Fais attention à ce que tu fais. Montre-moi tes papiers. Ok. C'est marqué poste 2. À l'âge. Vas-y! Vivement que cette journée de boulot se termine. Ça va, mon pote? J'ai encore trop mal dit. J'espère que tu vas pas mal. C'est ça qu'on est là. Je te vois vrai. On va avoir entreposé pas mal derrière le poste de contrôle. Si on revient installer le cerveau dans l'un d'eux, c'est le jackpot. C'est juste des gamins, putain de merde. Va voir le contact de Crawford et récupère ton matos. J'ai un plan pour évacuer le chantier. Je vais éviter les victimes civiles dans la mesure du possible. Bonne chance. Merci de préparer vos pièces d'identité pour l'inspection aux portes. Toi, Brady, c'est ça ? Écoute, j'ai fait entrer ton matos comme Crawford me l'a demandé. Je l'ai planqué dans la zone de travail A. Mais on a un problème. Les Norcos ont verrouillé une partie de cette zone. Le temps de m'en rendre compte, c'était trop tard. Tu vas devoir trouver un moyen d'y accéder tout seul. Les équipes de liaison administrative 1 et 3 sont priées d'envoyer leur rapport au centre d'observation Charlie dans la prochaine demi-heure. On a réussi à verrouiller cette zone. J'avais mes outils à l'intérieur.
chopé par les Norco à fumer comme ça. Les équipes d'employés hôtel à Oscar sont priées de terminer leur tâche en cours et de se préparer au confinement. Tout matériel manquant sous votre responsabilité sera considéré comme volé et entraînera des poursuites. Thank you.
J'arrive pas à croire qu'ils aient. Brady, il n'y a pas de fuite radioactive. J'ai juste déclenché l'alarme. Bon, j'ai trouvé où les Norcos ont reposé notre Goliath. Je t'envoie son emplacement tout de suite. Débrouille-toi pour y aller, je te rejoins dès que je peux. Fais gaffe, Brady, les Norcos quadrillent le secteur. Détecté. Le personnel doit évacuer la zone immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Alerte. Fuite radioactive. Évacuer la zone immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Alerte. Fuite radioactive détectée. Tu te débrouilles bien, Brady. Les Norcos n'ont pas encore remarqué ce qui se passait. Goliath a ton sage fond qu'on s'en empare. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Super, Brady, t'as réussi. Maintenant, va connecter ce cerveau au Goliath pour qu'Azer puisse le contrôler. On va avoir besoin de son aide si on veut sortir d'ici vivant. Sale fils de pute. Espérons que Zor fasse parler la poudre rapidement. Ok, parfait. Les rapports indiquent que le Goliath s'initialise. Maintenant, tu dois rester à proximité pour envoyer les instructions au cerveau depuis ton téléphone. Ne t'éloigne pas trop ou la connexion sera perdue. Oh putain, les voilà. Allez, feu!
abattu. Suis-moi, Sam. Avancez. Ok. Oh, les systèmes de navigation, quelque chose déconne. Il faut un peu plus de temps. Les heures ne nous fait pas attendre. C'est l'un des groupes de blague. Allez, allez, allez. Ok, c'est parti. Ne lâchez pas, les gars. Je veux pas que mon nouveau chouchou soit endommagé. Allez, on se casse. Boulot, Brady. Les gars, vous avez déchiré. On a un putain de Goliath. Oh, bien joué, les gars. Hé, hey, Brady, viens voir. Brady, amène-toi. Walker est quasiment ressuscité grâce à toi. Allez, on va examiner notre nouvelle recrue de plus près. Du bon boulot, Jack. Merci. C'était dingue au chantier naval. Ça en valait la peine. Brutal, mais beau. Un peu comme moi. On va voir si leur propre puissance de feu plaira aux Norco. La vache! Regardez-moi ça! La chance vient de tourner, les amis! Ça va... ici... Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Comment ça se passe, ma petite? C'est autre chose qu'un tracker. Des semaines. Ça pourrait me prendre des semaines! Oh, allez, dis pas ça! Les dégâts qu'il a subis sur le trajet ont endommagé des trucs. Les commandes à distance déconnent. Le système de visée est mort! Et je crois que la tourelle fonctionne. Brady, tu veux faire un test? Ça va faire mal! Tu peux y aller. Oh ouais! Les sœurs, je savais que tu y arriverais! Non! Non, 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 non! Ça va pas! Cette foutue surtension crame tout à chaque fois! Jusqu'à l'alimentation du quartier! Pas riche! On n'aura jamais terminé à temps. Heather, tu peux le faire. J'aurais jamais confié ça à une autre que toi. S'il faut quoi que ce soit, tu l'auras. Il y a la portée aussi. Il faudra un relais à proximité d'Indie Hall. J'ai un plan pour ça, Brady.
Il y a un bastion à Lombard. Si on le capture, on sera à portée du procès. Hé, hey, ouvre-moi cette porte. Compris. Le tunnel te mènera directement à Lombard. Les heures te rejoindra dès que le Goliath sera remis sur pied. D'accord ? Je ferai de mon mieux. Vas-y, et bonne chance.